Hallelujah!
champion. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Père de grâce, nous disons merci. Nous voici encore présents pour diriger tes enfants dans la prière. Nous invoquons l'Esprit de Dieu à descendre sur nous. Éternel, glorifie ton nom. Bénis tes enfants cette nuit. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, une fois encore, nous vous apportons les salutations du Mont Calvaire. J'aimerais vous rappeler que nous sommes à l'antenne de la radio Bonne Nouvelle. Et nous sommes encore live sur Facebook. Alors vous pouvez soit nous capter via Facebook. Le EBSV TV. Sur EBSV TV. Très vite partager le live à tes amis qui sont à l'étranger, tes membres de famille, afin que eux aussi prennent part à cette séance de prière. Alors si vous nous suivez via Facebook, alors veuillez partager le direct. Alors, si vous êtes aux côtés de votre poste récepteur, vous pourrez également communiquer à ceux qui n'ont pas l'occasion de suivre à partir du poste récepteur de nous suivre via Facebook, qui est l'opportunité qui leur est offerte. Comme nos leaders ont déjà passé l'annonce, notre programme de Pentecôte coïncide avec notre programme de fin de début du mois. Alors nous allons commencer dès ce lundi. L'église Salut Vérité Benyeji. À l'église publique Salut Vérité en face du lycée de Benyeji. Et également dans les branches. Unissez-vous à nous. Et que Dieu te donne la victoire. Et qu'il nous donne la victoire à nous aussi. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Alors le dimanche. Les annonces seront passées. Spécialement le jeudi prochain. C'est la fin des 40 jours que le Seigneur Jésus-Christ a passé sur la terre avant de monter au ciel. Alors je t'invite le jeudi matin à 6h du matin à prendre part à notre séance de prière pour que nous prions ensemble. Et puisse l'Éternel Dieu vous bénir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, cette nuit, nous allons une fois encore entrer dans la prière. Comme Dieu le fait toujours. Quand il nous envoie à la radio pour faire un live, c'est à cause d'un but donné. Et cette nuit, l'Esprit de Dieu nous conduit dans Habakkuk chapitre 3, le verset 7. Habakkuk chapitre 3, le verset 7. I saw the tent of Cushan in affliction. And the curtains of the land of Midian did tremble. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Mendiant sont dans l'épouvante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, ma pauvre Éthiopie, Bagbado, Wapenopole, Raham. Il dit, je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie. Et les tentes des mendiants sont dans l'épouvante. Au moment où le prophète Habakkuk était en train de prêcher cette parole de Dieu, ces deux pays cités, l'Éthiopie
Et le mendiant, ce sont des pays qui opprimaient les enfants d'Israël. Ils torturaient les enfants d'Israël. Ils trichaient les enfants d'Israël. Ils usurpaient les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël étaient sous leur domination. Soudain, l'homme de Dieu, le prophète, entra dans la prière. Et il a reçu cette parole. Il a reçu cette vision. Et il dit qu'il a eu une vision que les tentes de l'Éthiopie sont entrées dans les détresses. Et les tentes du pays des mendiants sont dans l'épouvante. Cette nuit, ceux qui se substituent à l'Éthiopie dans ta vie, et ceux qui représentent les mendianites dans ta vie, après cette séance de prière, ils vont tous entrer dans l'épouvante. Le tente va entrer dans l'épouvante. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Il dit, j'ai vu l'Éthiopie et leurs tentes sont entrées dans des problèmes. Et les tentes des pays des mendiants sont dans l'épouvante. Si tu lis un peu concernant le pays des mendiants, la Bible dit que quand les enfants d'Israël font leur chant au moment de récolte, les mendianites viennent et ils emportent tout. Et les enfants d'Israël rentrent dans les troubles, dans les détresses. Mais il est temps que Dieu fasse quelque chose. Beaucoup de choses représentent l'Éthiopie et le mendiant dans la vie de vous et moi aujourd'hui. Les puissances de sorcellerie, les puissances des idoles, les puissances de malédiction, les ennemis qui poursuivent, la puissance de tentation, la puissance des séjours des morts. Représente l'Éthiopie et le mendiant dans nos vies. Ceux qui sont à l'origine de nos souffrances. Ceux qui sont à l'origine de nos échecs. Ceux qui sont à l'origine du mal qui nous arrive. Ceux qui envoient le mal dans nos vies. Mais il est écrit que à partir de cette nuit, les tentes seront dans l'épouvante. Amen. Les tentes seront dans l'épouvante. Et leurs résidences prendront feu. Tout couvent. Sous camp de sorcellerie et le lieu de rassemblement des ennemis et leurs sacrifices et leurs rituels et leurs envoûtements, leurs méchancetés, leurs usurpations et leurs tricheries, tant spirituelles que physiques. Il est écrit que j'ai vu les temps de l'Éthiopie là où ils se sont rassemblés et conspirent le mal. Ils sont entrés dans les détresses et la tente des mendiants est rentrée dans l'épouvante. Cela montre que Dieu s'est levé. Let God arise and my enemies be scattered. Let God Let God arise.
Les tentes de l'Égypte et de l'Éthiopie de mendiants se dispersent. Les couvents se dispersent. Et les malédictions se brisent. Et le malheur ramasse ses effets déguerpis. Parce que Dieu s'est levé. Et pour que Dieu se lève, cela montrait que quelqu'un invoquait Dieu en demandant que Dieu se lève. Quelqu'un a dit à Dieu que c'est assez, que Dieu ça suffit. Alors il faudrait que tu te lèves. Et puis si Éthiopie disant au point, le point où les Mandianites et les Égyptiens nous ont ruinés arrivés, c'est assez. Alors Dieu, lève-toi et brise le tente et disperse le tente et renverse-les. Quand le tente prend feu, où est-ce que les vaillants resteront encore? C'est comme si on a mis le feu dans le trou du rat. Le rat va sortir, va s'enfuir. C'est de la même manière que quand Dieu se lève et il disperse les tentes des Mandianites, ils vont prendre la clé des champs. Alléluia. Amen. Parce que Dieu s'est levé. Cette nuit que Dieu se lève. Cette nuit que Dieu se lève. Que Dieu te sauve. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te sauve. In the name of Jesus. Nous allons encore entrer dans la prière de ce chant. Remercie Dieu pour cette opportunité. Ouvre la bouche et dis merci à Dieu. Dieu, nous bénissons ton nom. Nous t'apprécions pour le faire. Dieu du Saint, Dieu de Jacob. Dieu de Jacob. Éternel des armées. Dieu de l'île. Dieu de l'île. Dieu de Rome. La seconde prière. Nous allons invoquer le sang du Seigneur Jésus. Que le sang coule. Et qui nous lave. Qui nous sanctifie. Qui nous rend saints. Au nom de Jésus. Prions ce moment. Father, we call on the blood. The blood of Jesus. The blood of sanctified. The blood of Paul. The blood of Jesus. Yes, the blood. Je suis
Nous allons évoquer la puissance du Saint-Esprit. Il est écrit que nous ne savons pas comment prier. Mais c'est l'Esprit qui intercède pour nous. Esprit Saint, viens prendre contrôle du moment et conduis-nous et prends le devant du combat. Nous allons prier en disant en tout lieu où quelqu'un est et il nous suit dans cette prière. À travers l'antenne radio, à travers Facebook, à travers YouTube. Esprit Saint, visite les saintes nuits. Nous envoyons le Saint-Esprit à leur rendre visite. Que les gens de Dieu leur rendent visite. Et si jusqu'en Occident, jusqu'en Europe. Premier requête de prière. Elle dit toute tante qui a été érigée contre moi. Toute tante sous laquelle ils se sont rassemblés. La pédame, dans une forêt, la yame, dans les airs, le tome, dans les eaux, le benigla, dans un cimetière, agbato, toute tente, si sous laquelle ils se rassemblent, avec ma photo, l'encogne, avec mon nom, l'encogne, avec mon argent, l'encogne, avec mon habit, avec mon capital de commerce, avec mes enfants, cette nuit, il est écrit que la tente d'Éthiopie est dans le les tentes des
ceux qui nous haïssent, ceux qui voient la montagne contre nous la tentent, ceux qui vont au bord des eaux contre nous la tentent, ceux qui vont au cimetière contre nous la tentent, ceux qui vont dans la forêt contre nous la tentent, les tentes de ceux qui font des vœux auprès des idoles contre nous. Tout est tenté. Si le cime est à l'origine de ma douleur, de mon échec, de ma décision, mandianites sont dans les détresses. Cela montre que la maison de l'ennemi est en feu. La maison de l'ennemi a pris feu. Le charlatan à sa maison a pris feu. L'idole à sa maison a pris feu. La maison du conspirateur a pris feu. Ce qui montre que ceux qui disent qu'ils se rassemblent et ils conspirent, ils font leur réunion et ils se lient d'amitié, ils s'unissent pour ta destruction. Dieu les a troublés. Yeah!
Amen. 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 J'enseigne souvent que quand tu travailles dans une entreprise et tu trouves que tu ne trouves plus aucun plaisir dans cette entreprise, il vaut mieux de quitter l'entreprise en paix. N'organise pas un gang ou bien rébellion contre l'entreprise, contre votre patron. Disant que voilà, vous allez détruire l'entreprise avant de partir. La chose que la personne là aussi adore, si la personne s'en va s'agenouiller devant cette chose va t'affecter. Alors si tu veux partir en solo, pars en solo quand tu étais venu en solo. C'est pas toi qui as fait venir les autres employés. Maintenant, quand tu construis une tente dans l'entreprise d'une autre personne, alors tu te mets dans des problèmes. Non seulement une entreprise, également dans les fonctions publiques. Dieu merci que nous avons de différents syndicats. Mais parfois, d'aucuns deviennent des victimes parce qu'ils sont rentrés par malheur dans ce genre d'organisation. Même à l'église, parfois certains forment des groupes à l'église. Si tu ne trouves plus plaisir dans l'église, quitte calmement. Maintenant, si tu veux former un groupe dans l'église, pour porter un regard critique vers le pasteur, leadership. Vous faites preuve de l'esprit de critique à l'égard du leadership. Quand le pasteur dit si, toi tu dis ça, on parle de ça, on appelle ça la rébellion. Alors tu veux disperser l'église. Si ce pasteur va à la montagne ou bien s'agenouille contre toi, tu seras détruit. Alors, nous prions certes. Mais il faudrait que tu connaisses ta position. Ne te mêle pas aux affaires d'autrui. Ne monte pas une collaboration pour la destruction d'un quelconque groupe. Cela pourra t'aider. Si tu as une entreprise, Alors, cette parole dit cela à tes employés. Que voilà, si tu es embauché dans une entreprise, toi aussi prends quelque chose dans ce que je viens de dire. Amen. Jusqu'à venir dans la maison de Dieu. Prenons, tirons leçon de ceci. Continuons la prière. Il dit tout est tente. Tout est tente. Oh,
Même si c'est dans une boutique qu'on vous a recruté. Et il y a deux employés. Ils disent, voilà, on va s'unir pour voler notre patron. Si on part, on va partager 1000 francs, 1000 francs. Tiens donc. 1000 francs seulement. Mais, la chose que la personne l'adore, si la personne s'en va s'engêner devant sa chose, ça va t'affecter. Parce que c'est toi qui essaie de détruire sa propriété. Alléluia. Amen. C'est la loi de la nature. Si l'Éthiopie, Media et Mandia n'avaient rien fait à Israël, prophète, le prophète ne se serait pas levé. Amen. Pour dire, pour déclarer que la tente d'Éthiopie soit brisée. Et que la tente de Mandia soit dans le pouvoir. Si tu ne veux pas que ta tente s'écroule, alors ne tente pas de renverser la tente d'autrui. Ne rentre pas en collaboration avec quelqu'un pour détruire la tente d'autrui. Si quelqu'un se lie d'amitié avec toi ou bien t'induit là-dedans, alors écarte-toi très vite. Et dis-toi, je ne veux pas de cette collaboration. Ce commerce, je ne veux pas le faire. Quelqu'un a lutté, il a instauré sa chose. C'est pas moi qui viendrai là. Même si je n'en ai plus. Je vais m'en aller. À Jatibou. Et il allait ailleurs. Calmement. C'est mieux que de se mêler dans un groupe. Et si la personne invoque ce qu'elle adore, cela me fera un désastre. Alors si tu es concerné, repends-toi très vite. Cela t'aidera beaucoup. La dernière requête. Le petit-fils qui disent qu'ils érigent une tente contre toi, telle que la parole de Dieu l'a déclaré. Ne le tente pas cette nuit. Que le lieu de rassemblement soit anéanté cette nuit. Et que la collaboration soit menée de combat de blé. Le mal qui te planifie, je la pomme en honte, tombe dans le propre maison, le propre maison, le tombe en honte, la rive dans le propre maison, la cime en honte, la rive dans le marché. Il tenait, nous sur le tadou d'awa, ce fils d'amour, à balayer une acte, reçoit la voyage, il tenait, le
Et je prie pour toi qui nous suis cette nuit. Que Amen. Dieu te fasse grâce. Là où tu as besoin de la repentance, puisses tu te repentir. Là où tu as besoin d'arrêter cette collaboration, puisses tu arrêter cette collaboration. Au nom de Jésus, ayez ce commandement. Et que Dieu repasse ce qui t'appartient. Que Dieu ait pitié de toi. Amen. Et que Dieu te bénisse. Monsieur le docteur. Ceux qui sont malades, qui sont dans les lits de maladie, je prie pour vous. Soyez guéris. Soyez guéris. Vous qui êtes dans un besoin quelconque, puisse Dieu étendre sa main. Et puisse-t-il vous visiter. Et pour votre guérison. Dieu, nous disons merci. Car tu l'as accompli. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, une fois encore, nous disons merci. Écoutez-moi attentivement. Nous sommes chef d'entreprise. On est head of business. Si tu es un chef d'entreprise, fais un effort pour appeler tes employés. Et s'ils ont écouté cette parole de Dieu, ça les aidera et ça t'aidera toi aussi. C'est très important. Alléluia. Amen. Amen. Et tu es à la tête d'un certain groupe. Rebellion. Et il veut y avoir du groupe de la rébellion. Tu écoutes cette parole. Et dis-le avant que voilà, s'il refuse, il s'en va. Alors tu ne peux pas me taire pour qu'il te cause du mal. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Nous allons écouter les dernières annonces.